Salut à tous et à toutes, ici Shakiller, comment allez-vous? Moi je vais bien et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur The Legend of Zelda Twilight Princess, le donjon numéro 6 devant le demi-boss du donjon, qui va être sympathique, je vous l'assure. Si je me trompe pas, c'est un Darknut qui sont un peu plus présents dans The Legend of Zelda Wind Waker, où il y en a pas mal, je dois le dire. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça, c'est masse. Donc les Darknut sont de grands épéistes. Comme vous voyez, il a une épée lourde et un bouclier plus une TP à sa ceinture. Bon. Je dois faire une charge bouclier, mais pour ça, faut arriver à la faire. Il veut pas. Ah, il l'a mis. Ah, je me suis craqué le coude. Oh, ça fait mal. Ah, mais je suis trop loin. Bon. S'il veut pas me blesser passer, ça va être chaud. Normalement, je dois lui faire. Oh, je l'ai tapé, il m'a tapé. Oh, je l'ai tapé. Ouh là là, il morfe. Eh, c'est parti pour les attaques dans son dos. Il a plus d'armure sur certains angles. On va le faire de l'autre côté alors. Donc voilà la face du Darknut sans son armure énorme. Donc maintenant il est beaucoup plus léger et donc beaucoup plus. Aïe, beaucoup plus rapide. Et voilà. Donc ça conclut le demi-boss de ce donjon. C'était pas extrême. Voilà, il est mort. Et voilà. Et la porte là-bas normalement va s'ouvrir, non? Peut-être. Ouais. Et donc, comme d'habitude, quand il y a un demi-boss, il y a l'objet du donjon. Donc, on a obtenu le bâton Anima. Ça permet de bouger des statues. Tout simplement, c'est pas quelque chose d'énorme, mais c'est un objet que l'on n'a jamais vu dans un Zelda, je pense. Et donc voilà le bâton Anima. Donc c'est tout simplement un bâton basique, on peut s'en servir comme d'une arme. Mais je vous le déconseille parce que bah, c'est pas très efficace. Hein. On récupère la vie. Oh, merci petit cœur. Donc on va chercher les autres. Circulaire, pouvoir. Et un dernier. Voilà. Donc, là, si vous voyez, il y a une statue là-haut. Et voilà. Et donc, maintenant, on contrôle cette statue. Ça va nous permettre pas mal de trucs. Et si vous vous reconnaissez bien, je me trompe pas, c'est la statue du bas. Donc, la statue fait les mêmes mouvements que vous. Ça rappelle un peu The Legend of Zelda Wind Waker. Il faut l'amener sur la marque ici. Voilà. Et elle disparaît. Donc dans Wind Waker aussi, vous aviez dans la tour du jugement, je cherchais le mot, une statue que vous pouviez contrôler, enfin plusieurs, elle vous permettait pas mal de choses. Enfin il y en avait, ouais, 3-4 je crois. Je crois que c'est plutôt 3.
Il y en avait une par couloir, et ça vous permettait d'accéder au sommet de la tour du jugement. Enfin bref, je vous apprends rien. Par contre, si je me trompe pas, si on fait ceci, ouais, il peut pas le casser. Normalement, il y a une marque. Pas de marque pour moi sortir. Ça reste la con si je suis coincé. Laissez-moi réfléchir, il n'y a pas de bouton. Normalement, il est censé y avoir une marque au plafond. De l'autre côté de la grille, sinon comment je passe? Oh oh. Bon, on va vers avec le bâton animal. Non, je peux pas contrôler. Ah, il n'y a pas une petite pas loin là-bas. Parce que je suis plus sûr de ça. Non, il m'en faut une autre, mais je la vois, je sais pas où elle est l'autre petite. Ah bah, au pire. Hey hey. Et voilà. Pas d'ici, j'ai pas le bon angle. Ah, arrête! Vous pouvez pas viser avec le bâton et tirer. C'est un peu bête. Bon, je vois rien. Ici. Ah, j'arrive pas à voir. Elle est dessus là, non? Bah ouais, mais normalement c'est les statues que je dois péter. Je viens de me souvenir. Mais c'est con! Mais je suis sûr qu'il y a un truc avec lui. Ah bah il peut bien les péter, j'avais raison, ah, j'aurais pu rester plus rapide. Par contre il a de grands pouvoirs. Bon, déjà vous pouvez voir, il peut péter les machins. Blorg. 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 Oh, c'est moi le meilleur, je vous démonte tous. Tap. Ah ouais, j'adore. Enfin. Hein. Ah oui. Ah non, je vais arrêter. Voilà. Donc ce robot vous permettra d'aller tout simplement ouvrir la porte. Oh. Hop là. C'est du travail d'équipe. Vous n'avez plus le choix. Il faut que vous avanciez avec votre statut. Non, si je me cours le bouton, ça va pas le faire. Pourtant, il y a que deux touches. Hein. Donc ce robot peut tout détruire. Je crois même qu'il peut. Ah non, faut pas abuser. Ça aurait été un peu cheaté là quand même, je dois dire. Ah non, je voulais lâcher.
toujours mieux de le faire passer devant vous. Comme ça, c'est lui qui encaisse. Comme lui, bah c'est un robot. Et voilà, il n'y a plus rien. D'accord. Ah, arrête. Donc. Faut être un tout petit peu stratégique, mais c'est pas encore compliqué. Donc vous l'avez vu, ces cloches-là téléportent votre robot sur la carte. Vous pouvez le voir où il est téléporté. D'ailleurs, je vous l'avais pas montré dans l'épisode d'avant. Non, ah, c'est moi, je crois. Non, c'est pas moi, c'est... Ah, voilà. Il y a 7 étages. Et voilà. Donc c'est un assez grand donjon. Par contre, j'ai peur d'avoir oublié la clé du boss encore. Là-bas, vous voyez, il y a un fantôme, mais... Je suis plus sûr où aller, la clé du boss. Je crois savoir, mais... Si je me cours, bah, j'ai l'air con. Bon. Ah, plus de flèches. Donc, est-ce que l'autre y est tombé? Non. Viens avec moi. Donc, on va porter la statuette jusque tout là-bas. Allez, allez, on y va. Voilà. De toute façon, on a du matos. Par contre, attendez 2 secondes, je reviens. Donc, après cette petite coupure, on va continuer. C'était ça là-bas que je voulais aller chercher. Oh bah, ça c'est du lancer. Donc, je devais faire passer ma statue de l'autre côté. Encore plus de poids parce qu'elle pèse 2 tonnes la machine. Et donc je sais pas, je pense que le donjon va reprendre encore une partie vu que pourquoi j'ai fait ça. Vu que comme d'habitude en général ils en prennent 3 et que je suis pas sûr pour la clé du boss. Ah ça y est. Donc tac. J'ai fait une énorme connerie. Parce que je pourrais jamais les renvoyer là-bas pour faire un contrepoids. Aïe. Bon. Oh si. Il faut le perfect lancer. Bon bah ça va. C'est faisable. Hop.
encore un. Que voilà. Et maintenant que je me retire. Et voilà. Donc on bouge la statue. Ah. En général, le mieux c'est de se coller à elle, comme ça elle vous suit bien. Hop. On descend. Et on l'amène par ici. Voilà. Donc comme ceci, on va l'amener dans une autre pièce pour la faire descendre, comme d'habitude. J'espère pas avoir oublié la clé, sinon bah je ferai une coupure pour aller la chercher. Puis quand je l'aurai retrouvée. Ah oui, ici. C'est ici que je pense que la grande clé elle est en fait. Mais de souvenir, j'avais l'impression que c'était un truc avec le 7ème étage. Je sais pas pourquoi. Bon. Là c'est un peu plus technique. Il faut avancer votre statue en même temps que vous. Parce que bah. Sinon, on ne peut pas avancer. Alors, ah mince, j'ai plus de flèches. Oh, oh, ça va être con. Oh, j'ai des flèches. Alors. Ici. On avance. Et en fait, c'est là, il y a un truc à faire avec. Ah. Ici tout. Lui il coupe l'électricité et ça va nous permettre de passer. Et je crois que de l'autre côté c'est celle-ci ou pas. La clé du boss c'est pas celle-là. C'est pour ça que ça commence à m'inquiéter là. Un fragment de cœur, cool, bah j'ai tout un cœur en plus. Ce serait pas ici. Je sais plus. J'avais un truc avec le 7ème étage, je crois, ou c'est le 6ème. Bon. On va continuer quand même, tenter tout du moins. Mais là, je pense que je vais avoir un problème avec la statue, parce que si j'ai pas la clé du boss, il va falloir remonter. Au pire, j'irai la chercher vite fait, mais... Je vais déjà montrer le parcours avec la statue, comme ça je sais qu'il sera fait. Et directement après, j'irai la rechercher. Parce que je suis sûr de l'avoir oublié. La première fois, je l'ai oublié. La deuxième fois, je vois pas pourquoi je l'oublierai pas. Si, je pense pas, mais. Ah si! Oh bah tout est plus simple alors! Non. Non, comme ça. Ça, ça ne marche pas. Ah, je suis coincé par un mur. Tiens, mon ami. Et toi, je te téléporte. Et voilà! Donc la statue, elle est téléportée encore un peu plus bas. Et nous on avance à côté. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais je crois que j'ai oublié la... La clé du boss. Ouais. Déjà là ça me paraît bizarre que j'ai pas la clé du boss donc... Il me manque quelque chose. Donc bah je vais arrêter là. Je vais chercher un peu à côté si je me trompe pas les... Ah. Si je me cours pour la carte. Elle est quelque part par... Ici. C'est celle-ci ou celle-ci, je sais plus trop sûr. Donc bah, je vais m'arrêter là, je vais revérifier à ça. Et on se retrouve tout de suite après pour bah, la dernière partie de ce donjon, c'est-à-dire le boss et un peu continuer. Donc je vous dis ciao à tous, à la prochaine et portez-vous bien. Allez bye bye.